Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Zone Bourse. Vidéo un peu particulière aujourd'hui euh, parce que je vais euh, vous raconter le contact que j'ai eu avec euh, une personne qui m'a un investisseur en fait qui m'a euh, contacté directement pour m'expliquer qu'il avait un problème. Euh, donc on va l'appeler euh, John, ça va être plus simple. Et donc John me dit euh, voilà, Xavier, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être scotché sur une valeur, c'est-à-dire d'être en forte euh, euh, perte, en moins-value latente et de ne pas savoir quoi faire alors, moi, ça fait 20 ans que j'investis, donc bien sûr, ce genre de situation m'est déjà arrivé et ensuite il m'explique donc sa situation il me dit que euh, donc il y a une valeur enfin on verra plus tard que c'est deux valeurs mais donc euh, au début il m'explique qu'il a une valeur en portefeuille que cette valeur euh, elle a baissé euh, pour euh, baisser son prix moyen d'achat bah, il en a racheté cette valeur a rebaissé, il a dû ensuite en racheter enfin il a dû il a pris la décision d'en racheter ensuite il a arrêté la valeur a continué de baisser il a arrêté d'en racheter parce qu'il voyait bien que euh, ça servait à rien et il se retrouve aujourd'hui donc avec une valeur qui a une très forte euh, moins value latente et une valeur qui représente maintenant une grosse partie de son portefeuille et il ne sait pas quoi faire. Alors, c'est vrai que moi, ce type de situation de ce qu'on appelle moyenne à la baisse, euh, je l'ai moins vécu tout simplement parce que c'est une des premières règles que j'ai appris en bourse, une des premières règles euh, qu'on m'a expliquées quand j'étais euh, trader pro, quand je suis arrivé en salle de marché, on m'a dit qu'il fallait pas faire des moyennes à, à la baisse et pourtant il y avait des traders pro qui le faisaient et j'ai vu les désastres que ça pouvait faire. Alors, premier point pour cette vidéo, surtout, pas de critique envers euh, John, je n'ai vraiment euh, euh, aucune critique à lui faire, tout simplement parce que euh, dans le monde dans lequel on vit euh, aujourd'hui, euh, c'est très compliqué de commencer à investir. Parce qu'à l'école, on nous apprend rien sur les finances personnelles et l'investissement. En fait, on nous envoie conduire sur la route euh, sans permis. Et si je devais poursuivre euh, l'analogie de, la, de la conduite, en fait, ce que John, John a fait, c'est qu'il a pris une Ferrari et il a conduit à 250 km/h en pleine ville parce que c'est ce qu'on voit à la télé. Et si on n'est pas pilote, bah sur 1 km ça peut passer, mais sur 50 km euh, bah c'est un peu plus rare. Et euh, pourquoi c'est aussi compliqué Parce que dans la plupart des domaines, on apprend par nos erreurs. Sauf que sur la route... Ou bien en bourse, ça peut faire très mal, donc c'est pas le bon moyen de faire. C'est pour ça d'ailleurs que pour la conduite, on passe un permis plutôt que de laisser les gens avoir des accidents, se planter dans des murs euh, pour qu'ils apprennent. Et malheureusement, enfin, malheureusement en bourse, il n'y a pas de permis, euh, mais comme on apprend même pas ça à l'école, c'est vrai que les gens sont très mal équipés. Et tout ça, ça m'a rappelé pourquoi je fais toutes ces vidéos, euh, pourquoi j'ai créé avec Zone Bourse une formation qui explique euh, bah, tout ce qu'on doit faire pour avoir des bonnes bases pour bien investir en bourse, etc. Donc, c'est vrai que la la vidéo d'aujourd'hui, je ne vous cache pas que je la prends euh, plutôt à cœur parce que je vais essayer d'aider euh, John, même si je lui ai déjà répondu pas mal en, en message, et puis tous ceux qui se retrouvent un peu dans sa situation. Et là, je demande à, à John euh, qui me donne le nom de la valeur euh, en question, la valeur sur laquelle il avait cette grosse perte euh, latente. Euh, je voulais avoir un petit peu le, une idée du type de valeur que, que c'était. Je me doutais un petit peu de, de, de la réponse que j'allais avoir. Enfin, je ne connaissais pas le titre exact, mais je me doutais, doutais un petit peu du type d'action que ça allait être. Et en fait, John me dit qu'il a ce problème-là, pas sur une, mais donc sur deux actions. Et il me donne les noms de ces deux actions. Et là, je dois dire que ce n'est pas vraiment une surprise pour moi, parce qu'il me donne deux entreprises françaises, deux small cap françaises, donc deux entreprises avec des petites capitalisations boursières, et deux valeurs qui perdent de l'argent. Alors pas qui perdent de l'argent en bourse, hein, mais qui ont des pertes, en fait, qui sont en perte. Donc au lieu d'avoir des bénéfices, la boîte perd de l'argent. Et dernier point, ces deux valeurs, ce sont des valeurs à la mode, on va dire, en tout cas des valeurs qui sont très suivies par les particuliers français. Et pour preuve, ces valeurs, elles sont très régulièrement dans le top des consultations du site Zone Bourse, et l'une d'elles y est, y est encore. Donc à partir de maintenant, on va essayer de voir comment est-ce que John s'est retrouvé dans cette situation, comment il peut faire pour s'en sortir, et comment il va faire pour la suite, pour le futur. Commençons donc par la question, comment John s'est retrouvé dans cette situation J'en ai déjà brièvement parlé. Le premier problème, c'est la moyenne à la baisse. Et ça, c'est vrai que chez les débutants, c'est une erreur vraiment classique. Et moi, j'ai réussi plutôt, alors je ne dis pas que ça m'est jamais arrivé, mais je, je réussis plutôt à éviter euh, cette erreur, tout simplement parce que euh, j'ai beaucoup étudié, euh, quand j'ai commencé euh, le, le trading, fin des années 90, début des années euh, 2000, j'ai beaucoup étudié les, les, les traders stars de cette période. Et parmi ces traders stars, il euh, y en a un qui s'appelle euh, Paul Tudor Jones, qui, est, euh, qui était gérant du hedge fund. Euh, qui porte son nom, enfin le fonds Tudor, euh, et qui avait dans les années 80-90 euh, cette photo. Il y avait cette photo qui circulait avec une petite affiche au-dessus de, de son ordinateur, et sur cette photo, on voit bien marqué euh, la phrase Losers, Average, Losers. Donc les perdants moyennent les perdants. Et ce qu'il faut comprendre comme les traders perdants moyennent à la baisse leurs actions. Perdante. Et ça, c'est une image euh, euh, vraiment. Je faisais mes premiers pas en bourse, c'est une image que j'ai vue tout de suite, et ça, ça m'est resté vraiment gravé dans la tête. Donc, bien sûr, comme tout le monde, je fais plein d'erreurs basées sur mes émotions, etc., même si euh, j'essaye vraiment de, de limiter ça. Et puis, avec l'expérience et la discipline, je limite au maximum. Mais celle-ci, euh, ça m'est tellement resté ancré, euh, donc depuis plus de 20 ans, que c'est quelque chose que euh, je ne fais quasiment jamais. Deuxième erreur, c'est que si j'ai bien compris, alors je n'ai pas vu euh, le détail entier du portefeuille de, de, de John, mais il m'a montré ses positions sur ses sur ces deux valeurs, ses moins-values, etc. Et ce qui m'a surpris, c'est la taille de ces positions. Ce sont, euh, chacune des positions font plusieurs dizaines de milliers d'euros, ce sont des grosses tailles et grosses pertes. Donc déjà, deuxième problème, qui est vraiment l'un des premiers conseils aussi qu'on donne aux débutants, c'est un manque de diversification. Donc là, clairement, euh, vu ce que j'imagine être la taille de son portefeuille global et ce que j'imagine être son patrimoine global, il a des positions qui sont complètement euh, disproportionnées et son, euh, son portefeuille boursier n'est pas assez diversifié. Et ça vient bien sûr de la moyenne à la baisse, puisque peut-être qu'il était à peu près diversifié au début, j'en doute, mais à chaque fois qu'il réinvestit dans ces valeurs-là, bah forcément, son, son portefeuille devient de plus en plus déséquilibré. Troisième erreur qui a amené à la solution dans laquelle John se trouve, c'est qu'il a suivi une recommandation externe. En fait, plus précisément, il a suivi le consensus des analystes qui était plutôt bon sur les deux valeurs en question. Alors là, il y a pas mal de problèmes autour de ça. Je passe déjà sur la qualité de la recommandation, la qualité des, 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 des analystes. Ça, c'est euh, autre chose. Et à quel point aussi, mais ça, c'est euh, un, un problème beaucoup plus large, à quel point il y a peu de recommandations de vente chez les analystes. Mais ça, c'est pour des raisons que vous pouvez euh, euh, imaginer. Hein. Quand on est dans une banque qui fournit des services de corporate finance à différentes boîtes, on évite au maximum de faire des recommandations de vente. Donc, euh, mais bon, bref, si je passe à côté de, cette, de, de ce problème-là, donc il a pris une recommandation externe. Le premier problème quand on prend une recommandation externe, c'est qu'on ne sait pas vraiment pourquoi l'analyste, encore pire, une moyenne d'analyste, est à l'achat sur ce titre. On ne sait pas s'il joue la croissance, on ne sait pas s'il pense que c'est une valeur qui est décotée, on ne sait pas euh, s'il pense que c'est une valeur qui est en recovery, c'est-à-dire une valeur qui est en, en retournement, euh, c'est-à-dire euh, qui va par exemple être en train de se restructurer, en train de réduire ses coûts, en train de changer de management, etc. Donc on ne sait pas du tout pourquoi euh, l'analyste ou les analystes ont pris euh, cette décision. Et le problème avec ça, c'est que si vous avez vu ma vidéo euh, Quand vendre, ben, vous savez que pour moi, l'une des raisons euh, principales qui permet de nous décider sur quand vendre, c'est quand le rationnel d'achat euh, n'est plus valide, quand en fait notre thème de départ euh, bah, est invalidé. Par exemple, si on a décidé d'acheter une entreprise de croissance et qu'on se base là-dessus et que la croissance, croissance commence à être moins dynamique, ça c'est le premier euh, euh, signal d'attention, de, de, voilà, euh, premier warning et signal qu'on doit potentiellement vendre. Et ça, bien sûr, comment est-ce que vous pouvez faire quand vous ne connaissez pas la thèse de départ Et c'est pour ça que la plupart des recommandations ont des niveaux de vente d'indiquer, un stop-loss pour la perte et une prise de profit pour les gains. Parce que forcément, comme vous vous basez sur la recommandation de quelqu'un, cette personne doit vous indiquer le niveau de, de, de vente dans les deux sens. Et si vous n'en avez pas et que vous suivez une recommandation externe sans vous renseigner, donc vous n'avez aucune conviction, bah vous allez évidemment vous retrouver perdu dès que ça va mal se passer. Ensuite, il y a deux facteurs supplémentaires qui n'ont pas aidé. Premier facteur dont j'ai déjà parlé. Euh, les deux entreprises étaient dans des secteurs ou bien étaient elles-mêmes à la mode. Et le problème de ça, c'est que déjà, quand vous êtes sur une entreprise à la mode, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise entreprise ou une bonne entreprise, mais c'est qu'il y a de fortes probabilités, malgré tout, que l'action soit survalorisée. Et euh, deuxième facteur qui ne joue pas forcément en... dans le bon sens, c'est que, comme je disais, euh, les deux entreprises font des pertes. Et le problème d'entreprises de, qui font des pertes, donc vous vous doutez, c'est plutôt des, des entreprises qui sont en, en démarrage. Je ne vais pas dire des startups, on est plus au-delà de ce stade-là, mais des entreprises en tout cas qui sont effectivement en période de, de démarrage. Le problème, c'est quand on a une entreprise qui fait des profits. Ben, on a une base à laquelle se raccrocher pour valoriser l'entreprise. Si par exemple l'entreprise a une faible croissance, elle va être globalement valorisée entre. 10 fois et 25 fois, peut-être 30 fois les bénéfices. S'il y a une forte croissance, alors elle va être valorisée autour de, je sais pas, 25, 30 fois, euh, peut-être 40 fois les bénéfices, parfois 60. Mais même si ça reste des fourchettes larges, au moins on a euh, globalement en fait des fourchettes de valorisation. Donc quand ça commence à baisser, on peut retourner sur les fondamentaux et voir si la baisse est, est, paraît légitime ou non. Quand on a une société qui est en perte, euh, là on est vraiment euh, en freestyle, on n'a aucune idée de comment valoriser l'entreprise. En fait, toute la valorisation est faite sur des prévisions futures. Et qui dit prévision dit incertitude, énorme marge d'incertitude. Donc là, on est vraiment sur des boîtes qui peuvent être à zéro ou bien qui peuvent faire x100. C'est ce que vont chercher, bien sûr, certains investisseurs. Mais il faut avoir conscience que là, on est en roue libre. On n'a aucune idée de comment valoriser. Ou si on a une idée, en fait, c'est extrêmement variable. Il suffit d'une petite variation de, de, de croissance future et on a des valorisations actuelles qui sont complètement différentes. Bon vous voyez, on commence déjà à avoir une bonne idée de ce qui nous a amené dans la situation euh, actuelle. Mais maintenant, comment s'en sortir Le, La première chose à faire, c'est qu'il va falloir que John fasse une pause, qu'il repense complètement sa manière d'investir. Alors la pause, elle peut prendre une heure, elle peut prendre plusieurs jours, elle peut prendre plusieurs semaines, euh, mais vraiment il faut qu'il se pose et qu'il réfléchisse à euh, quels sont les risques qu'il veut prendre, parce qu'en discutant avec lui, je vois bien qu'il n'avait pas conscience des risques qu'il prenait. Euh, euh, donc effectivement, il y a, attention, il y a les risques qu'il veut prendre et les risques qu'il peut prendre. Et euh, régulièrement, quand on a des soucis, c'est quand les risques qu'on veut prendre sont supérieurs aux risques qu'on peut euh, prendre. Il faut aussi que John mette à jour ses connaissances, qu'il ait une méthodologie claire. Là, je me rends bien compte, en discutant avec lui, qu'il n'est pas certain de, du type d'entreprise qu'il qu recherche. Maintenant, si on reste au niveau de son portefeuille, moi, ce que j'ai conseillé à John, c'est vraiment d'oublier le passé, d'oublier ses prix d'achat, d'oublier ses pertes. Et d'imaginer s'il vendait tout aujourd'hui, comment il construirait son nouveau portefeuille. Et ça, c'est une réflexion qui est vraiment très importante. Si John s'imagine repartant avec la somme qu'il aurait en vendant ses, ses actifs aujourd'hui, s'il repart de zéro, il aurait potentiellement aucune de ces deux valeurs en portefeuille. Peut-être qu'il les aurait en portefeuille, mais en tout cas sur des positions, ça c'est certain, beaucoup plus petites et il serait très, très probablement beaucoup plus diversifié. Et en fait, cette approche de se dire. Euh, J'oublie le portefeuille que j'ai aujourd'hui. Quel serait le portefeuille que j'aimerais euh, avoir si je devais, si j'étais 100% cash et si je devais investir C'est une approche qu'on devrait tous avoir. C'est l'approche en fait la plus logique. Quand on a une action en portefeuille, mais à chaque jour, ça veut dire qu'on décide de la garder plutôt que de réinvestir ailleurs, surtout avec les coûts de transaction qu'on a aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, en 2021, on a des frais de, de friction qui sont extrêmement faibles, enfin, pour la plupart d'entre vous, sur des, 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 chez les brokers en ligne, donc c'est vrai que euh, chaque alors un jour, c'est un peu, un peu gros, mais en tout cas, chaque semaine, chaque mois, on devrait euh, être confiant que c'est le, le portefeuille qu'on veut. Parfois, j'entends des gens qui me, qui me disent Oui, cette valeur, elle est très chère, mais de toute façon, comme je l'ai acheté euh, peu cher, je fais déjà x5 euh, dessus, c'est pas grave si elle baisse. Si, si vous décidez de la garder au niveau actuel, à un niveau qui est stratosphérique, stratosphérique c'est un peu comme si vous décidiez de l'acheter aujourd'hui, parce que vous avez toujours la possibilité aujourd'hui de la vendre pour mettre en cash ou pour mettre dans n'importe quel autre titre qui a plus de, de potentiel. Et ça, malheureusement, c'est une approche. Donc de, de faire comme si on faisait un reset tous les jours, comme si on repartait à zéro, c'est une approche que très peu d'investisseurs ont euh, pour plein de raisons. Là, je vous laisse regarder mes vidéos sur la finance euh, comportementale. Il y a beaucoup trop de gens qui sont attachés à leur euh, prix d'achat et qui prennent la décision de garder ou non le titre en fonction de leur prix d'achat et euh, ça n'a aucune logique financière en fait ça il faut bien euh, le réaliser votre prix d'achat il y a un an euh, que vous soyez en énorme perte sur une valeur ou en énorme gain sur une valeur ne doit pas avoir de poids sur votre décision d'acheter ou de vendre donc si je reprends euh, rapidement euh, ce que je conseille à John puisque euh, il m'a demandé de lui envoyer le lien de, de la vidéo que, que j'allais faire donc euh, conseil pour John diversifier Ensuite, euh, ne pas se baser sur des recommandations externes, ou en tout cas, même si les recommandations externes sont en général très bonnes pour avoir des idées, se faire ensuite sa propre opinion. Ça, c'est très important. Moi, le premier, je j'utilise parfois des recommandations externes pour avoir des idées d'investissement. Je lis les lettres euh, trimestrielles des hedge funds pour voir ce qu'ils ont euh, en portefeuille. Euh, c'est vrai que surtout des valeurs qui sont un peu originales, elles me sou sont souvent euh, conseiller D'une manière ou d'une autre, j'en ai entendu parler par un investisseur euh, externe, et par exemple, j'aime beaucoup les, les, tous les jeunes analystes qui sont chez Zone Mours. Ils me donnent plein d'idées de valeurs super intéressantes auxquelles j'aurais jamais pensé parce que moi, voilà, je reste, je reste généralement sur les gros mastodontes, les gros leaders du, euh, du marché. Donc, c'est pas forcément mal d'avoir de regarder des recommandations externes, mais il faut ensuite se faire son propre avis, avoir sa propre conviction et dès le début euh, réfléchir aux critères. Euh, qui vont vous faire vendre. Alors ça peut être des critères chiffrés, hein, euh, ceux qui ont, mettent un stop loss ou bien un take profit, donc euh, pour couper ses pertes à la baisse ou bien pour prendre ses, ses profits à un certain moment. Moi je préfère avoir des critères beaucoup plus euh, qualitatifs. Donc en fonction de du critère qui m'a fait acheter, si par exemple c'est vraiment un, une recovery, si je joue euh, qu'un nouveau management va faire repartir une société qui était un peu sous-valorisée euh, et que ça va le, le, lui faire reprendre un bon, un bon train, ben, clairement si je vois que le management, au bout de quelques mois, n'arrive pas à mettre en place sa nouvelle politique, que le cours de l'action est monté ou baissé, je vais sortir. Et à l'inverse, si je vois que la recovery, le retournement est en cours, que le management est en train de faire du bon boulot, alors là, à nouveau... Euh, même si la, la valeur a baissé entre temps, euh, bah, c'est pas grave, je vais la garder parce que je vois qu'elle est sur le bon chemin. Et si euh, le, le retournement est en train de se faire aussi au niveau de l'action, alors là, je vais vérifier si pour moi le retournement est fini ou, ou non et si c'est le, le moment pour prendre mon, mon profit. Autre point. On a parlé de la moyenne à la baisse et qu'il fallait absolument éviter. Mais oui, parce qu'on vous conseille et moi le premier en général de sortir de vos positions perdantes, c'est parce que votre scénario euh, ne se passe pas comme prévu. Donc déjà de garder une position qui est pas légèrement perdante, ça c'est normal, mais une, une position qui commence à être fortement perdante, déjà la garder, c'est vraiment avoir une forte conviction. Donc rajouter là-dessus, euh, c'est en général une mauvaise idée, à moins que vous achetiez vraiment parce que c'est une valeur qui est décotée, à moins que vous ayez mis moins lors de l'achat initial que ce que vous vouliez mettre au total. Par exemple, vous avez mis 1% de votre portefeuille et votre but c'est de monter à je sais pas, 4%. Alors dans ces cas-là, effectivement, ça peut être logique d'acheter à la baisse. Autre logique d'acheter à la baisse, c'est quand vous faites du DCA, par exemple, sur des euh, indices, euh, donc vous décidez d'acheter régulièrement tous les mois, bah, c'est vrai que vous êtes plutôt content quand les indices euh, baissent et que vous pouvez euh, euh, donc les racheter pas très cher, en général au travers de, de TF. En tout cas, si vous avez toujours des euh, questions sur quand vendre, euh, n'oubliez pas que j'ai fait deux vidéos sur le sujet. J'ai fait quand vendre pour le trading et j'ai fait quand vendre pour l'investissement. Et ce dont je discute aujourd'hui, c'est plutôt quand vendre donc pour, pour l'investissement. Et dernier point important pour John ou pour tous ceux qui sont dans euh, cette, cette réflexion en fait de changer de, de, de mode d'investissement. Donc pour John, j'imagine qu'il va décider de passer d'un mode où c'était bah, je mets gros sur une ou deux small caps histoire de faire un, un énorme gain, euh, il va probablement passer en mode je diversifie mon portefeuille, je prends des entreprises euh, de qualité, je fais moi-même euh, enfin, moi mon opinion sur le titre ou en tout cas je sais pourquoi investi donc je sais pourquoi je ne veux plus ensuite avoir la valeur enfin bref vous voyez où on va donc effectivement s'il passe de ce mode on va dire ultra risqué à un mode beaucoup moins risqué beaucoup plus classique d'investissement long terme alors son risque va énormément diminuer énormément mais il faut aussi qu'il diminue ses attentes c'est-à-dire que avec le premier mode, avec le premier portefeuille qu'il avait, il y avait possibilité qu'il double euh, son capital en un an. Avec le mode, deuxième mode de diversifier, d'entreprises de qualité, etc. Alors, c'est quasiment impossible. Euh, allez, on va dire, surtout vu la marche actuelle, c'est impossible qu'il arrive à doubler son, euh, son portefeuille en, en un an. Mais il faut qu'il mette à chaque, à chaque fois hein, euh, le risque en fonction de la performance de son portefeuille. Là, il a cherché purement la performance sans regarder le risque. Il s'est fait très peur, il avait une sortie de virage, il s'est fait très peur, maintenant, euh, donc il va conduire euh, euh, moins rapidement, il va avoir une, une voiture beaucoup plus euh, sécurisante, il va être sur des routes beaucoup plus sécurisantes, mais voilà, il faut bien prendre en compte que la performance, elle sera, euh, elle sera plus la même, euh, ça, il faut le savoir, évidemment, dès le départ. Alors, bien sûr, ça va mettre du temps, peut-être beaucoup de temps pour récupérer euh, des pertes, mais ce qui est sûr, c'est que John va beaucoup mieux dormir la nuit. Voilà, merci encore euh, à tous de m'écouter pour ces euh, vidéos. Euh, je remercie à John à qui j'ai posé la question de savoir si vous pouvez partager son expérience en citant aucun titre, aucun montant, aucun nom. Mais bon, euh, voilà, je voulais quand même par politesse lui demander, euh, lui demander son, son avis. Je le recontacterai bien sûr à côté. Euh, ceux qui me contactent en direct, sachez que dans l'ensemble, je n'ai pas le temps de, de répondre. Je sais que je suis contacté euh, sur LinkedIn par pas mal d'étudiants, etc., qui, des, qui voudraient des conseils de carrière. Dans l'ensemble, j'essaye de répondre, mais voilà, mon temps est, est limité, donc je ne peux pas vous répondre à tous. Mais là, le cas était suffisamment important et j'ai envie de dire presque grave pour euh, John, pour que je passe quand même du temps à bien répondre, non seulement à lui, mais à tous ceux qui sont dans sa situation, parce que c'est vrai que parfois, enfin, même tout le temps, quand je regarde le top consultation du site Zone Bourse, on a. Certaines valeurs euh, de qualité, on va dire, euh, relativement stables, mais... Euh, on a bien la moitié qui sont des small cap à la mode, hyper volatiles, euh, parfois même des, des biotech. Donc c'est vrai que je m'imagine toujours les frayeurs que doivent se faire les investisseurs débutants avec ce type de, de valeur. Moi qui ai une approche euh, très internationale, je suis toujours surpris déjà de voir autant de valeurs euh, françaises. Euh, ensuite, je suis surpris de voir autant de petites valeurs et je suis surpris de voir aussi des valeurs sur des secteurs qui sont en général... Euh, Extrêmement risqué. Voilà, donc je tenais vraiment à faire cette vidéo aujourd'hui. Merci encore pour tous vos encouragements, vos likes, euh, etc. Ça fait vraiment super plaisir. Et quand je vois, donc, euh, quand j'ai des interactions comme ça avec des personnes comme, euh, comme John, hein, l'investisseur en question, bah, c'est vrai que ça me motive vraiment à faire ce type de, de vidéo. Voilà, merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine vidéo.